Salut l'équipe, aujourd'hui mercredi, milieu de semaine, on va se faire un entraînement HIIT, haute intensité, intervalle, training. Donc pour ça on va faire un 6x5, donc je vais faire 6 fois 5 exercices. Donc je vais avoir 5 exercices, ok, parce que même moi des fois je peux m'embrouiller tout seul, 5 exercices que je vais répéter 6 fois chacun, donc 6 fois le 1, 6 fois le 2, 6 fois le 3, 6 fois le 4, 6 fois le 5. Il va se décomposer en 30 secondes d'effort physique, 15 secondes de récupération. Et je vais enchaîner. 30, 15, 30, 15, 30, 15, etc. Je vais ne pas prendre de récup dans le changement de mes exercices. Donc, une fois que j'aurai fait mes 6 séries de mon exercice 1, tout de suite, hop, je bascule sur mes 6 séries de mon exercice 2, puis mes 6 séries de mon exercice 3, puis mes 6 séries de mon exercice 4, puis les 6 séries de mon exercice 5. Si j'ai pas été clair, boum, tout est dans la description. Alors, notre premier exercice, on le connaît, nos burpees. Je remonte, donc nos burpees. Je démarre sur un squat, je pose mes mains, je décale mes jambes, j'effectue une pompe, je reviens sur mon squat et mon saut. Si je veux le faire de manière moins intensive ou si j'ai un peu de mal avec ma technique, je vais faire mon squat, poser mes mains, décaler mes jambes, poser mes genoux ou pas, selon ma force au niveau du haut du corps, exécuter ma pompe, revenir et faire mon petit saut. Je ne veux pas sauter, je peux très bien, hop, juste faire une extension hanche et mollet. Notre exercice 2, squat des classiques, pied à l'extérieur des hanches, mes pointes de pied légèrement ouvertes, j'ouvre la poitrine, j'engage mes abdos, je m'équilibre, je descends, mes genoux s'ouvrent et je remonte. Trois, pompe, simple. Si je veux solliciter un peu plus mes triceps, donc l'arrière de mon bras, je vais rapprocher mes mains sous mes épaules et venir chercher mon t-shirt avec mes coudes. Donc pareil, soit sur les pieds, soit sur les genoux, je rentre mes coudes, je rentre mes épaules loin des oreilles vers l'arrière, je descends et je remonte. Ou alors sur mes pieds, je descends et je remonte. Même si sur vos genoux, c'est compliqué, je vais venir rapprocher mes genoux sous mes hanches et tirer mes coudes vers mes cuisses. Mais je vais conserver du poids sur mes paumes de main. Donc je vais garder mes épaules vers mes poignets. Si je fais ça, vous pouvez en faire 500. Vous serez beaucoup, beaucoup moins efficace. Quatrième, fente pliométrique. On les a déjà vus en début de semaine. Genou sous la hanche, genou à l'aplomb de notre cheville, talon vers le ciel. Je décolle et je viens alterner. Soit je marque la pause, soit je vais être plus dynamique. Je vais essayer de ne pas mettre de pause. C'est compliqué le jump, c'est compliqué le saut. Je veux un intermédiaire. Je reviens au centre et je change. C'est compliqué avec le saut. Je l'enlève. Fente arrière. Ou bien fente avant. Dernier, nos sit-ups. On les a vus aussi en début de semaine. Donc focus sur nos abdos. Soit les pieds ici. Soit les pieds papillons, je peux m'aider des bras ou pas. J'enroule, je viens toucher, je remonte, je cherche devant mes orteils. Je garde gainer mes abdos au moment où je vais faire mon extension ici pour que mon dos ne décolle pas. Je garde la pince entre le bas de mes côtés, mes hanches, pour maintenir le bas du dos proche du sol. Soit ici, soit ici, je peux le faire à l'aide des mains. Je vais toucher mes chevilles. Je peux le faire. Doigts à côté des tempes. Burpees, 6 fois 30 secondes, 15 secondes. Squat, 6 fois 30 secondes, 15 secondes. Pompe, 6 fois 30 secondes, 15 secondes. Fente plio ou fente classique,
6 fois 30 secondes, 15 secondes. Sit-up, nos abdos, 6 fois 30 secondes, 15 secondes. Je ne vous cache pas que ça va piquer. Ça, c'était pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme toujours, à liker si vous avez aimé cette vidéo, à commenter et à partager pour aider les autres aussi à faire du sport. Je vous dis à demain.